Je vais m'étouffer avec ma salive. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un haul parce que j'ai craqué mon cul ce mois-ci. J'ai trop acheté d'habits, j'avais envie de vous les montrer. Et bah c'est tout. Il y a un petit peu de tout, il y a du Zara, du Pull&Bear, Pull&Bear comme vous voulez. Chacun fait sa vie, moi je sais pas comment on prononce, moi je le dis Pull&Bear. Il y en a qui disent Pull&Bear. D'ailleurs c'est un petit peu plus logique. Bref, et je vais enfin répondre à la question que tout le monde m'a posée dans ma dernière vidéo haul. Quels sont les fripes où je vais à Lyon? Voilà. Du coup, on va commencer directement par Primark. Donc le premier haut, c'est avec des petits froufrous ici. Ici sur les manches. Et il est blanc, franchement il est trop chou. Et il m'a coûté 13 euros. On va aller assez vite hein, parce qu'il y a énormément de choses. Ah ouais, oh, elle est trop belle. C'est une veste oversize, enfin j'ai pris en 40 justement pour que ça fasse oversize. Et que des vestes en jean courte. Et du coup bah là je voulais une veste en jean longue. Je sais pas si ça rentre dans le cadre. Et elle m'a coûté 23 euros. Ce qui n'est absolument pas cher je trouve. Trop contente. Ensuite, ah ouais trop beau ce petit haut pareil. Un petit haut comme ça avec un petit col cheminé avec des froufrous. Pareil, il y a des froufrous ici, des froufrous là. Il y a trop de froufrous et je trouve... trop beau. Et il m'a coûté 13 euros. Pareil comme le blanc, je l'adore. Le dernier haut. Oh là là, c'est pas du tout repassé. C'est un haut comme ça. Un petit peu crop top. On dirait un chiffon là sur la caméra. Je vous jure qu'il est beau en vrai. Petite chemise grise avec des froufrous en bas. C'est Marine Passion Froufrou là. Il m'a coûté 13 euros. Bah putain, bah tout m'a coûté 13 euros. Donc voilà pour Primark. J'ai acheté que ça. Enfin, c'est déjà pas mal hein, vu tout ce que j'ai acheté ailleurs. Heureusement que c'est bientôt mon anniversaire. Ah mais d'ailleurs cette vidéo elle sort mercredi. Cette vidéo sort le jour de mon anniversaire. Pour ceux qui me demandent dans les commentaires, mercredi 30 novembre, j'ai 19 ans. Je sais on dirait pas, c'est la vie, c'est comme ça. C'est pas ma faute, hein, j'ai une tête d'enfant mais... mais voilà, j'ai 19 ans. Oh, rien que de le dire ça me... Non non non. J'aime pas du tout. Bon, ensuite j'ai acheté ce sac. Trop beau. Il y a un cheveu. Il y a des cheveux partout. Magnifique. Que j'ai acheté dans un chinois à Lyon. Comment ça s'appelle? Celui place des terreaux qui s'appelle... Je sais pas comment il s'appelle parce qu'avec ma pote on l'appelle la caverne d'Ali Baba. J'ai acheté ce sac là-bas à 23 euros et je l'ai pris en moutarde. Il était en noir, en bleu marine et je me suis dit est-ce qu'on va pas changer un peu sachant que je m'habille tout le temps en noir. Et du coup voilà je l'ai pris, il est trop beau, ça fait genre comme un petit cartable d'écolier. Et l'intérieur c'est comme ça, bon l'intérieur c'est chum mais on s'en fout parce que personne ne le voit vu que c'est à l'intérieur. Pour le dire je me suis acheté, je sais pas si vous allez pouvoir voir. Un sweat, on va dire plutôt. Sur la capuche ici, il y a écrit Good Things. Ce que j'adore, bon déjà ce que j'adore c'est qu'il est rose pâle, mais ce que j'adore surtout c'est le derrière. Regardez, il y a écrit tout ça. Il est un petit peu effet mal découpé, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et il est oversize de ouf, je le kiffe. Je l'ai pris en taille M et il m'a coûté 25 euros il me semble. De toute façon, je vous mettrai tout en barre d'infos. Mais normalement, ouais, il m'a coûté 25 euros. Finalement, ça va vite. Du coup, on va faire Zara et on finira par les fripes. Il y a tout qui est trop beau. Je suis trop contente. À Zara. Le premier truc que je me suis acheté, c'est un pantalon noir. Et il est taille haute. Et genre, c'est un élastique comme ça. Mais vous avez aussi des ficelles ici pour attacher. Et je l'ai pris en taille S. Il fait grave classe. J'aime trop ça. Il est en promo. Et je l'ai payé 15,99€ ou 95. Voilà, je trouve ça plutôt pas mal. Ensuite, ça je sais pas si tout le monde va aimer mais moi j'aime bien. Voilà j'ai pris ça, je sais pas je le trouve mais magnifique. Oh, j'aime trop trop ça. Là c'est pas un haul où je vous montre les affaires portées parce que la flemme m'envahit. Mais définitivement je vais faire une photo Instagram où je le porterai. Donc suivez-moi sur Instagram. C'est genre un truc un peu ethnique et tout. J'aime trop, il m'a coûté 25,95€ et je l'ai pris en M. Donc du coup toujours chez Zara j'ai pris ce petit haut noir. Et pourquoi ça fait des reflets verts là? Ça m'énerve. Donc c'est un t-shirt hyper long. Il arrive au niveau des mi-cuisses quoi. Il a un petit col cheminé comme ça que j'aime trop. Et vu que c'est noir, que c'est basique, c'est bah, c'est moi quoi. Je m'habille tous les jours en noir. Et il m'a coûté je crois 9,95€ donc j'étais obligée de l'acheter. Voilà. Et pour terminer avec les fripes,
Comme je répète à chaque fois, c'est un peu compliqué pour moi de vous dire les noms de fripes, sachant que je les connais pas. Je sais juste que je vais vers les fripes qui sont entre terreau et la Croix-Rousse. En tout cas, tout ce que j'ai acheté, pour une fois, c'était pas dans les fripes de terreau. C'était, comment elle s'appelle ? Fripe Attitude, voilà. Donc Fripe Attitude, je sais plus c'est dans quel arrondissement, mais dans la rue de Créqui. Et pour moi, les meilleurs fripes, c'est entre terreau et la Croix-Rousse. Donc voilà, on va commencer avec un petit crop top qui a des manches 3 quarts. Il est noir. Et il y a une fleur brodée ici. Il m'a coûté 6€ et c'est un Gérard Darrel. En tout cas, voilà, il est trop beau. Il est en mode matière stretch. Parfait. J'ai trouvé un leggings en XS de chez Zara. Donc ce leggings m'a coûté 4,50€. Donc c'est vraiment pas cher. Après, là, quand on voit en plus tous les autres trucs que j'ai achetés, ça va, je culpabilise moins. Ensuite, j'ai acheté ça. Pareil, ça, je sais pas si ça va plaire à tout le monde. Mais moi, je mets pas mal de chemises. Et j'ai trouvé cette petite chemise qui est rose. La voiture. Et en plus, je sais pas si vous pouvez voir, il y a des petites fleurs brodées. Elle est trop belle, je la trouve trop jolie. Elle a coûté 4,50€. Et enfin, franchement, pour une chemise, mais oh là là, c'est la vie. Ensuite, ah non, mais j'adore. Ça, c'était côté homme. C'est une chemise, mais c'est pas une toute chemise. Genre, on dirait une veste. Je sais pas si vous pouvez voir, mais genre, il y a une fermeture éclair. J'aime beaucoup. Regardez, elle est trop belle. C'est une somewhere. Elle m'a coûté 6€. Là, c'est un truc de ouf. J'ai acheté un manteau. Il m'a coûté 15€. C'est un H&M. Le manteau est comme neuf, quoi, genre. Regardez, j'adore les petits trucs en moumoute comme ça. J'ai soit des petites vestes, soit des énormes manteaux hyper chauds. Là, pour en ce moment où tu sais pas, soit tu dois sortir à poil, soit tu dois sortir avec ta doudoune. Et bah, je trouve que ce manteau est parfait. Donc voilà, pour les vêtements, c'est à peu près tout. Ah non, mais il y a ça aussi. Je me suis allée sur Snap, je vous ai saoulé avec. Mais j'étais tellement contente quand je l'ai reçu. J'ai reçu ma combinaison One Piece. Et de l'autre côté... Oh là là... Je voulais pas faire ça parce que j'avais peur qu'on voit mon double menton. Enfin bref, voilà, c'est une combi One Piece, je suis trop contente. Regardez, il y a des petites poches ici. Salut les chaussons chaussettes. Enfin je sais pas, je la trouve trop belle. Il y a un code promo que je vous mettrai du coup dans la barre d'infos. Donc voilà, en plus c'est bientôt Noël, je trouve que c'est vraiment une trop bonne idée de cadeau. Depuis que je l'ai reçue, je ne la quitte plus. C'est tellement confortable, c'est un truc de malade. Du coup j'ai reçu deux autres trucs. Pareil, hein, si vous me suivez sur Snapchat, vous êtes déjà au courant. Mais du coup là je vais pouvoir vous dire, vu que j'ai essayé les produits. Le premier truc que j'ai reçu de la part d'Octoly et de la marque Estée Lauder, c'est un sérum Advanced Night Repair. Comme je vous l'ai dit sur Snap, je l'ai commandé parce que, je sais pas si vous vous rappelez, dans mon dernier haul, justement, je vous parlais que j'avais reçu ce sérum que je kiffe, qui est du coup pour la journée, donc je mets le matin avant de mettre ma crème hydratante. Et celui-ci, c'est pour la nuit. Du coup, j'ai les deux et je suis trop contente parce qu'il marche de ouf. L'odeur, par contre, non. L'odeur, ah non, non, non. C'est plutôt pas mal, c'est en sous forme de pipette. Donc voilà, pour le sérum Estée Lauder, il est trop cool. Ah, et je crois qu'il y a un code promo pareil dans la barre d'infos, comme d'habitude. Comme d'habitude, merde. Le dernier truc que j'ai reçu, c'est un duo, qui appellent ça le duo de l'automne de chez Guerlain. J'ai reçu une palette 5 couleurs qui s'appelle Après l'ondée en teinte 05, je vais vous la montrer. Elle est magnifique. Elle est dans les teintes du coup bleutées comme ça. Le problème, c'est qu'elle est juste belle. La qualité, zéro. Donc voilà, c'est bien beau d'être beau, mais la qualité, c'est bidon. Quand je vous dis bidon, c'est vraiment bidon. Aucune pigmentation. Les fards, ils s'estompent trop chelou. N'achetez pas du tout cette palette. En plus, je crois qu'elle coûte 56€. Je comprends pas. Et avec la palette, j'ai reçu cet eyeliner qui est le Ultra Black. Non, ça, c'est la teinte. Eyeliner L'Art du Trait de chez Guerlain. Et qui pète des cucus. La mine est archi pointue, c'est hyper précis, hyper intense, ça tient grave bien, je le porte actuellement, je l'adore. Cet eyeliner, je le surkiffe. Donc vraiment, l'eyeliner, je vous le recommande fois 1000. Donc voilà, cette vidéo maintenant terminée, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. Je voulais vous dire un truc avant de terminer cette vidéo. Je sais pas si vous me suivez sur Instagram ou sur Snapchat, mais j'ai envie d'organiser un concours pour vous. Pour vous faire gagner, bah je sais pas trop quoi encore pour l'instant. Parce que voilà, on a dépassé les 7000 abonnés. Vous êtes de plus en plus sur mon Snap. Vous êtes à peu près maintenant plus de 650 à regarder mes stories tous les jours. Vous êtes plus de 1000 sur Instagram. C'est un truc de fou. Donc j'ai envie de vous remercier. Dites-moi dans les commentaires s'il y a des trucs que vous aimeriez bien gagner. Ça me ferait trop plaisir de vous offrir ce que vous avez envie de gagner. Enfin, je sais pas si c'est logique. Donc voilà, en tout cas, bah, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Bye!